Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle stratégie que vous pouvez utiliser pour gagner avec les paris sportifs avec ChatGPT. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification, d'utiliser le code promo FREE31 sur 88 stars pour gagner plus de 200% via ton premier dépôt. Voilà, partout, partout. Voilà. Donc, comme tu viens de voir, ce sont les matchs où j'ai joué hier avec, voilà, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est l'intelligence artificielle qui a fait le coupon pour moi. Voilà, vous voyez bien, c'est l'intelligence qui a fait le coupon pour moi. Lui, il a pris tout ça pour moi et moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai misé là-dessus et j'ai validé. Vous voyez là, c'est comme ça. Voilà. Donc là, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer l'intelligence artificielle et comment vous devez faire pour voilà, pouvoir pousser cette année pour avoir le coupon. Tout, tout. L'intelligence artificielle donne tous les détails. Alors, tu dis bien tous les détails. Donc là, ici, ça marche seulement que sur les paris sportifs. Voilà, ça marche aussi FIFA. Ça marche seulement que sur les paris sportifs. Mais ne vous inquiétez pas, il y a fait un autre. Il y a cherché une autre vidéo aussi sur les FIFA où vous devez, où, voilà, l'intelligence va faire le coupon pour vous et vous allez miser là-dessus. Voilà. Donc là, ici, suivez bien les analyses que l'intelligence va pouvoir vous donner et aussi miser seulement que deux matchs, deux matchs. Ne misez pas, ne dépassez pas deux matchs. Miser deux matchs, deux matchs. Voilà, ne dépassez pas les deux matchs. Voilà. Moi, ici, j'ai combiné deux, trois matchs. Mais moi, je vous conseille que vous misez sur deux matchs, deux matchs. Voilà. Donc là, ça fait 2 jours que j'ai été testé ça. Donc, j'ai vu que ça marche. Donc là, je vais vous faire part de ça pour que nous tous, on puisse en bénéficier. Donc, comme je l'ai dit et je répète, combinez seulement que deux matchs. Ne dépassez pas deux matchs. Vous pouvez jouer individuellement, jouer individuellement. Voilà. Mais combinez seulement que deux matchs, deux matchs. Donc là, ici, on va sortir juste là. Bah, ici, passez avant d'aller un peu plus loin. Si vous combinez plus de deux matchs, c'est-à-dire, il y aura peut-être un match qui va vous tuer, ou bien deux matchs qui va vous tuer. Voilà. Voilà. Si vous dépassez plus de deux matchs, hein, si vous combinez 3 matchs, peut-être 4 matchs, 5 matchs là. C'est que sur tout ce que je peux vous dire, vous ne pouvez pas perdre tous les 5 matchs. Non, 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 c'est impossible. Voilà. Si vous perdez trop, peut-être que c'est une équipe qui va vous tuer, ou soit deux équipes qui vont vous tuer. Donc, au risque de perdre tout votre argent, misez seulement que deux matchs, combinez deux matchs. Deux matchs, vous allez avoir forcément encore deux. Voilà. Donc là, ici, on va faire ça en live. Je vais faire ça en live pour que vous puissiez voir. Et vous aussi, vous allez tirer bénéfice de ça pour qu'on puisse gagner. Donc, si vous avez venu dire, vous êtes déjà l'application ChatGPT. Si vous avez déjà l'application ChatGPT, voici l'application ChatGPT. Si vous avez déjà l'application, machallah, voilà. Donc là, ici, on rentre sur l'application et je vais vous montrer l'option que vous devez utiliser pour pouvoir gagner avec. Voilà. Donc là, ici, comme vous allez venir, vous allez prendre 3 points qui sont là. Vous voyez les 2 points qui sont en haut, moi, si vous prenez les 2 points. Et vous allez prendre explorer. Vous voyez la partie nommée explorer ici, comme ça. Et là, ici, vous allez mettre ici, comme ça, paris sportif. Vous allez mettre ici, paris sportif. Voilà. Vous allez mettre paris sportif, comme ça. Voilà. Quand vous allez mettre paris sportif, vous allez prendre expert paris sportif. Vous pouvez mettre expert paris sportif ou bien paris sportif. Ça va sortir. Voilà. Donc, vous prenez ça. Avant d'avoir fini de prendre ça, comme ça, vous allez valider. Voilà. Ici, comme ça, voici, voilà, ça ici, là. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai étudié ça hier. Voilà, j'ai fait ça hier. Voilà, j'ai fait ça hier. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait ça hier. Voilà, ça ici. Voilà. Donc, vous allez prendre paris sportif. Vous tapez expert paris sportif et vous mettez tout. Vous mettez, voilà, vous mettez ça. Voilà. Voilà. Ou soit aussi, voilà, ou soit aussi, vous pouvez taper expert paris sportif comme ça. Vous tapez expert paris sportif. Vous tapez expert paris sportif, ça va sortir. Donc, vous mettez expert paris net là, ça va sortir en même temps. Voilà, donc, vous prenez expert paris sportif ou bien expert ou soit paris sportif, ça va dépendre de vous. Mais vous tapez expert paris sportif pour que ça puisse sortir. Vous voyez là comme ça, voilà. Donc, dès que ça sort, vous allez rentrer dans le jeu. Voici le oiseau, voilà ça que là. Ici, voici le match que moi j'ai fait hier. Et puis, voilà, les analystes qui m'ont donné hier, ils ont testé et ça marche. Voilà. Donc, là, ici, quand vous allez venir, on va sortir juste là. Voilà, on va prendre un match qui va se jouer aujourd'hui. Voici le match qui va se jouer aujourd'hui. Voilà. Donc, on va faire. Il vous dira combien de matchs, il vous dira beaucoup de matchs, il n'y a pas menti, il y a assez de matchs, mais il y a les U23 aussi qui sont là, et nous, on va limiter seulement sur les matchs, voilà, national avec, voilà, de la UEFA, tout, tout. Donc ici, avec CAF aussi, voilà. Donc ici, on va limiter sur l'île des Caïmans, voilà, ainsi de suite, voilà. Donc là, ici, c'est le match d'aujourd'hui, on a lutté contre Kosovo, voilà, on va venir juste là. Suivez bien ce que j'avais écrit, et vous aussi, vous allez mettre ça en pratique, voilà. Donc ici, je vais copier ça. Je vais copier ça comme ça, je copie ça, voilà. Je vais copier le test, voilà, je copie le test. Maintenant, juste là, ici, je vais enlever les analyses d'hier, voilà, je vais enlever ça, voilà. Et ici, on va taper Luciani, voilà, on va taper Luciani. On va taper le nom de l'équipe, voilà, Luciani versus Kosovo, voilà. Kosovo, voilà, vous tapez versus Kosovo. Et là, ici, voici le mot que vous allez mettre, vous allez mettre le mot. Pour les rencontres, donne-moi la meilleure option pour valider à 80%. Voilà.
la rencontre. Voilà, vous pouvez mettre les rencontres, soit pour, si vous mettez une équipe, vous mettez voilà, si vous mettez une équipe, voilà, si vous mettez, vous pouvez mettre deux équipes, analyser tout pour vous. On prend Luton contre Kosovo et on va prendre Bulgarie contre Luxembourg. Voilà, Bulgarie versus Luxembourg. Voilà, Luxembourg, voilà. Donc ici, voilà, voici, voilà, le test que vous allez mettre en bas. Voilà. Pour les rencontres, donne-moi la meilleure option pour valider à 80%. Donc, si vous validez, vous mettez comme ça. Il va analyser pour vous. Voilà, c'est ce qu'il a analysé. Vous voyez là ici. En train de faire les analyses. Et automatiquement, il va faire le coupon en bas pour vous. Vous voyez là ici. Ici, la plus double champ des deux équipes. Vous voyez là ici comme ça. Voilà. Donc, là ici comme ça. Voilà, ici, c'est comme ça. Ici, l'analyse. Voilà. Voilà. Et, option sur victoire de Kosovo. Match nul. Double chance. Voilà. Double chance, c'est-à-dire victoire. Vous prenez 12. Voilà. Kosovo, Bulgarie, voilà, Bulgarie, option sur victoire de Bulgarie ou maintenue double chance aussi, pareil, voilà, donc j'ai 70 à 80, environ 75 à 70%. Donc là, on va venir juste là, ici. Ici, là, il y avait double chance de Kosovo et puis double chance de Tunisie, de Bulgarie, voilà, donc ici, double chance de Kosovo, ici, on va prendre ici, voilà, victoire ou nul de Kosovo, on vient juste là, ici, comme ça, on prend double chance, victoire ou nul de Kosovo. Et on va prendre ici victoire ou nul de quoi? De Bulgarie, non, c'est Bulgarie là, oui. Voilà, victoire ou nul de Bulgarie. Voilà, on vient juste en bas, on prend victoire ou nul de Bulgarie. Automatiquement, ça nous fait une cote de combien? Une cote de 1,4. Automatiquement, on peut miser ici 200 000. Ici, on commence à faire mon coupon comme ça, tranquille, voilà. Ici, il met 200 000. Voilà, il sort. Il prend autre match. On prend ici autre match ici. Croatie contre Écosse. Croatie contre Écosse. Ici, comme ça, quand vous allez mettre maintenant, ici, à partir de maintenant, quand vous allez mettre les équipes, vous n'êtes plus obligé de mettre dans le. Vous n'êtes plus obligé de mettre le test encore. Parce que ici, le ChatGPT a compris déjà ce que vous voulez. Vous voyez là, comme ça, voilà. Donc ici, on va mettre Croatie. Croatie versus contre qui? Versus contre Écosse. Voilà, on va mettre ici Écosse. Écosse. Voilà. Écosse versus, et on va venir juste en bas, mais espace, on va parler encore, tu sais, Bélarus contre Irlande. Irlande, Bélarus. Bélarus ici, versus Irlande du Nord. Irlande du Nord. Voilà. Irlande du Nord. Voilà. On valide. Voilà. Donc là, ici, ils vont nous analyser le match tranquille. Et ils vont nous donner ici le coupon qu'on doit parler, de la manière dont on doit parler dessus. Ils vous expliquent tout. Voilà. Ici, encore, la plus double chance encore. Ici, la plus double chance. Double chance ici de Croatie. Avec double chance ici d'Irlande du Nord. Voilà. On soit nul. Donc ici, on vient juste là. Voilà ça ici. Voilà. Croatie ici. Voilà. Donc ici, comme ça. Ici, on va prendre ici double chance. Vous voyez. Double chance ici. Il peut appeler double chance de Croatie. Et puis ici, il a pris ici deux chances d'Irlande du Nord. Voilà. Irlande du Nord, voilà. Deux chances aussi. Voilà. Victoire ou nul d'Irlande du Nord. Voilà. Et ici, on va essayer de faire trois équipes pour voir. Moi, je ne vous conseille pas de faire trois équipes. C'est moi qui essaie de prendre trois équipes. Bah, ici, il voit Espagne contre Danemark. Donc, c'est sûr que Espagne va les niquer. Donc, on va essayer de voir ce que ChatGPT va nous donner. Voilà. En fonction de ça, Espagne, Danemark. Ok. Comme ça, on va essayer à Denmark. Voilà, Denmark. Ok, versus, on va taper ici. Il va nous analyser le match ici. Il nous donne la probabilité, tout et tout, tout et tout. Il a donné deux chances d'Espagne automatiquement. On vient juste là ici. On va analyser le match ici. Moi, je vais prendre victoire d'Espagne. Il va prendre double chance ici. Il va prendre victoire d'Espagne automatiquement. Moi, il prend victoire d'Espagne sans aller à gauche à droite. Moi, j'ai confiance que l'Espagne va les niquer. Voilà. Donc là, ici, il est mis ici, ça va donner quoi de. Il est mis là-dessus, tranquille. Vous voyez là, comme ça, voilà. Donc ici, on va venir juste là, ici. On va prendre autre match. On va prendre ici Portugal. On va essayer de prendre les grandes équipes, voilà. À laquelle on combine quatre matchs. Voilà. Portugal contre Pologne. Ici, Pologne, Portugal, ici. Souvent, ils font nul, souvent, ils font. Donc ici, on va taper Pologne contre Portugal. Pologne. Pologne versus Portugal. On va taper ici pour voir ce que ça va donner, ce qu'il va nous donner ici. Il a pris ici victoire de Portugal. Voilà, victoire de Portugal ou bien double chance, mais nul. Non. Donc là, ici, nous, on va prendre victoire de Portugal. Ça sera à gauche, à droite. Voilà. Ce qu'il a donné à vous, c'est ce que nous allons prendre. Donc ici, on va analyser encore Guinée contre Éthiopie. Maroc contre le République tchèque. Voilà. Maroc contre le République tchèque ici. Ici, on va prendre tout à tes débuts. On va prendre tout à tes débuts. Voilà, on va prendre tout à tes débuts. Ici, on va prendre ici que. Maroc va marquer deux buts dans le match. Voilà. Donc, on dit 1,5. Et ici, Guinée contre Éthiopie. On va essayer de voir ce qu'ils vont nous donner ici. Voilà.
Guinée contre Éthiopie, Guinée versus Éthiopie. Éthiopie, voilà, versus Éthiopie. Ici, il nous a donné ici, voilà, les plans qui sont suivis, victoire de Guinée, victoire de la Guinée, voilà, il a pris, voilà, victoire de Guinée ici, victoire de la Guinée, automatiquement, on prend victoire de la Guinée ici. Ok, on va essayer de prendre autre match. Non, ça c'est un U23. On va prendre ici, autre match ici, pour combler notre coupon ici. On va prendre Chypre. Chypre comme Roumanie. Notre dernier, voilà, pour faire une grosse cote. Chypre versus Roumanie. Voilà. On va voir ce qu'ils vont donner ici. Ici, la plus quoi, c'est victoire de Roumanie ou nul. Victoire de Roumanie ou nul. Victoire de la Roumanie ou nul. Victoire de la Roumanie ou nul. Donc ici, on vient juste là. On va essayer de voir double chance pour voir. Double chance ici. Voilà. Donc là, ici, on fait 4 équipes. Alors qu'on a une cote de 3. On va miser ici, ça c'est 4 000. Automatiquement. Sans regarder à gauche ni à droite. Donc ici, on vient de faire, bien une fois, 3 coupons. Voilà, dans mes 3 coupons, il pleut une neige. Il va gagner. Voilà. Donc il sait pourquoi il dit ça. Il va gagner. Voilà. Donc là, tout ce que vous avez à faire, moi, je vous ai dit de prendre 3 équipes et 2 équipes. Ne dépassez pas 2 équipes. Combinez seulement que 2 équipes. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fait ça hier. Mais il a fait plus que 2 équipes. Combien 3 équipes, 3 équipes. Donc voici la statistique d'hier qu'il m'a donné. Voilà. Hier, voilà ici. Voici le match qu'il a pris. Voilà. Il a combiné tout ça. Il a analysé tout ça. Et il m'a donné, si vous voyez ici, victoire d'Afrique du Sud. Afrique du Sud a fait 5. Voilà. Gabon. Bon, là ici, il n'est pas sûr. Bon, Mali a gagné. Sénégal a gagné. Mais ils ont gagné Tunisie. Voilà. Comment a gagné Tunisie? Vous voyez là? Voilà. Comment a gagné Tunisie? Voilà. Angola aussi, ils ont gagné. Voilà. Si on parle Angola, ça a gagné. Donc là, ici encore, hier encore. Voilà. Afrique du Sud a tapé Congo 5 à 0. Voilà. Voilà. Non, on monte. Voilà. Ici. Cameroun, ici, hier, il ne sait pas si ils ont gagné ou bien c'est. Il ne sait pas. Bon, là, il ne sait pas si ils ont gagné hier parce qu'il n'a pas suivi le coupon. On va aller dans SofaScore pour voir. On va aller dans SofaScore pour voir si hier Cameroun a gagné, oui ou non. Voilà. On verra bien. Ok. Donc ici. Ça, ce sont les matchs d'aujourd'hui qui sont là. Ce sont les matchs d'aujourd'hui qui sont là ici. Voilà. Donc là, ici, nous, on vient sur les matchs d'hier. Voilà. On prend ici, voilà, les matchs d'hier qui ont joué. Voici les matchs d'hier. On prend ici les matchs d'hier. Ok. Ça, ce sont les matchs qui vont se jouer. Voici les matchs d'hier. Voilà. Voici les matchs d'hier. Cameroun a gagné 4 à 1. Voilà. C'est ce qui est juste. Donc, Cameroun a gagné hier. On voit ici Gabon. Ouais, Gabon. Bon. Là, ici, Niger aussi a gagné 1-0. Voilà, ça marche. Égypte aussi a gagné, c'est validé. Voilà, vous voyez là, ici, comme ça. Donc, la plupart de tous les. Angola aussi a gagné, mais Gabon a fait 0-0. Vous voyez là, donc, je vous dis de combiner deux matchs au max. Ne dépassez pas deux matchs. Voilà. Donc, là, vous voyez là, ici, ce qui dit, ça marche à plusieurs fois aussi. Voilà. Bénin aussi a gagné. Voilà. Égypte aussi a gagné. Vous voyez là, ici, comme ça. Voilà. Donc, Gambie, on va voir Gambie, on va essayer de voir Gambie pour voir Gambie. Gambie pour voir si Gambie a gagné hier. Non, vous voyez là, Gambie, il a dit victoire ou nul. Ils ont fait victoire ou nul. Voilà, comme ça, voilà, il y a une nul. Double chance de Gambie ou nul. Voilà, donc là, c'est validé. Donc, voici les 3 équipes où c'est validé avec succès. 3 équipes où tu prends comme ça, c'est validé avec succès. Vous voyez là, donc là, moi, tout c'est pour vous dire, moi, j'ai testé ça hier. Et il a vu que ça gagne. Ça a gagné, ça gagne. Donc là, et Guinée Équatoriale a gagné hier, Zambie aussi a gagné hier. Mais Mozambique, là, il ne sait pas. Ouais, là. Donc là, moi, je vous dis de combiner au max 2 matchs. Minimum, au max 2 matchs. Minimum, tu joues individuellement. Tranquille pour gagner ton argent rapidement, presque. Dans l'équipe, tu peux de haut. Donc, j'espère que ce qu'il a fait là, ce qu'il a mis en pratique de l'homme, il a fait, vous avez compris, vous faites la même chose. Et vous combinez seulement que 2 matchs. 2 matchs, pas plus. Combinez seulement que 2 matchs, 2 matchs pour pouvoir gagner. Donc, bon jeûne à vous. Faites ce que vous dites de faire pour que nous tous on puisse gagner. On se retrouve prochain de vous. Abonnez-vous.